Parfois, quand j'entre dans mon bureau, j'ai l'impression de marcher dans les ruines d'une ancienne civilisation. Non à cause du désordre qui y règne, mais plus certainement parce que cela ressemble aux vestiges de l'être civilisé que je fus jadis. Il est où, putain de détective ? Je vais lui démonter la tête ! Je vais lui arracher les yeux, l'un après l'autre ! Toi, tu vas me donner ces photos, connard ! Tout de suite ! Sinon, t'es un chat mort ! T'as compris ? On se connaît ? Votre visage me dit quelque chose, mais... Tu m'as espionné ! T'as pris des photos de moi avec une jeune femme ! Vous comprendrez sans mal que je n'étais pas très concentré sur votre visage, alors... Je vais te buter ! Moi, c'est putain de fantôme ! Ce n'était pas la première fois que je regrettais d'avoir frappé un type comme lui. Mais cela m'avait permis de gagner assez de temps pour viser là où ça fait mal. Pourriture, tu m'as pété la mâchoire. La voilà sortie à votre mariage. Si tu montres ces photos à ma femme, je suis foutu. Tu risques de foutre ma vie en l'air, je t'en prie. Bah tiens, le flingue n'a pas marché, alors pourquoi ne pas essayer les larmes ? Mais j'avais pas l'intention de m'en servir. J'ai même jamais tiré avec. Et puis, j'ai jamais été infidèle. Ça n'est arrivé qu'une seule fois, bon Dieu. Je suis juste son garde du corps, c'est tout. C'est elle qui m'a fait du rentre-dedans. J'adore ma femme, je le jure. J'ai même quitté mon boulot pour elle. Tu vas pas bousiller une famille à cause d'une minuscule bêtise ? Bousiller votre famille ? Vous n'avez visiblement pas besoin de mon aide pour le faire. Ok, alors écoute ça. Tu me files ses photos, tu lui racontes un joli mensonge, et je te paye 10 fois ce qu'elle te propose. Tu sauves ma famille, et tu empoches un joli pactole. Qu'est-ce t'en dis ? Ça marche ? D'aussi loin que je me souvienne, je n'avais jamais récolté que des clopinettes, des dettes et des ennuis. Mon amour-propre et mon compte en banque faisaient la course pour voir qui allait toucher le fond en premier. Son offre me dégoûtait, mais me donnait une chance de repartir sur de nouvelles bases, de diffuser des annonces dans les journaux, d'attirer de meilleurs clients. Ok, je dirai à votre femme que vous êtes réglo. Maintenant, disparaissez avant que je ne change d'avis. 3. Dieu merci. 2. Fais bon usage de cet argent. Et 1. Tu ne regretteras pas d'avoir aidé Eugène Colbert. Je te le promets. Mon invité imprévu m'avait laissé quelques cadeaux. En premier lieu, un mal de crâne carabiné. La peau de ce type était dure comme de la pierre. Ensuite, bien plus d'argent que j'en méritais. Ajoutons à cela le sentiment que mon compas moral n'était pas aussi bien calibré que je le croyais. Et pour finir, j'avais la certitude que je n'en avais pas terminé avec les cadeaux. C'est un type très... Il n'y a pas plus sympa que mon pote Black Sad. Il vous connaît même pas et il vous offre déjà un siège. Jack, comment veux-tu que je sache que c'est toi si tu frappes même pas avant d'entrer ? John, tu la fermes et tu m'écoutes. Je t'ai amené une cliente.
Et c'est pour ça qu'il faut le retrouver au plus vite. Sinon, nous allons avoir un sacré problème. Merci pour les informations et pour la photo. Tout ça me sera très utile. Voyons si j'ai bien tout compris. Bobby Yale, un boxeur du Dunn's Gym, doit participer à un match crucial contre le champion en titre dans 2 semaines. Mais il a disparu il y a 2 jours. Oui. Votre père, Joe Dunn, entraîneur de boxe et propriétaire d'un gymnase, s'est pendu il y a 2 jours. Oui. Pour résumer, si Bobby Yale ne remontre pas le bout de sa truffe, vous devrez payer une lourde amende. Mais comme vous n'avez pas d'argent, vous seriez obligé de fermer le gymnase de votre père. Oui. Vous voudriez donc que je retrouve Bobby Yale? Oui. Non. C'est Jake qui veut que vous retrouviez Bobby. Oh, je vois. Alors, déjà... Je suis vraiment désolé, Mademoiselle Dunn. Acceptez mes plus sincères condoléances. Merci. Mais bordel, John, tu la prends cette affaire ou pas? Bien sûr. Je sais que vous ne roulez pas sur l'or, alors voilà ce que je vous propose. Si j'arrive à résoudre cette affaire, nous verrons ce que vous pourrez me donner. Je ne doute pas que nous arriverons à nous entendre sur un prix. Je sais que vous êtes déjà passé chez Yale et que vous n'avez rien trouvé. Mais il faudra que j'aille faire un tour moi-même à un moment. Cette femme de ménage, Marie Purnell, celle qui a découvert le corps de votre père, elle travaille à mi-temps au Sam's Diner au bout de la rue. C'est ça. Très bien. Je vais probablement passer la voir. Et je vais évidemment aussi jeter un coup d'œil au gymnase. Bon. Je crois que ça devrait suffire pour commencer. C'est Dunn ? Waouh ! Je me souviens de ce match. À l'époque, Jake n'était encore qu'une star montante. Apparemment, Dunn avait pour habitude de mesurer sa fille et Bobby Yale tous les ans. Les mesures de Sonia s'arrêtent à ses 18 ans. Et il y a un écart dans celle de Bobby, entre 15 et 17 ans.
un bon coin pour espionner Sonia. Il faudrait souder la barre de fer sur ces panneaux. Je ferais mieux de les laisser tranquilles pour l'instant. Qu'est-ce qui peut bien pousser un homme à faire une chose pareille? La vie m'en a déjà fait voir de toutes les couleurs, mais... Je ne sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose qui cloche. Il m'est déjà arrivé de déchiqueter un sac comme ça. J'étais particulièrement énervé. La surface semble sèche, mais il n'y a aucune poussière et le dessous est humide. Ça remonte peut-être au jour de la mort de Dunn. Thank you.